Noël, shalom, shalom. Prophète Joël Jacrasso, le maréchal, la brigade un peu cherché. Salam à ceux qui viennent de prendre la ligne. Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la main puissante de l'Éternel chez vous, que la main puissante de l'Éternel demeure sur vous et vos familles, que la puissante main de Dieu continue de vous fortifier là où vous êtes, que la main du Seigneur continue, n'est-ce pas, de combattre à votre côté, que la main de Dieu vous bénisse encore et encore. Nous sommes aujourd'hui à cette date, aujourd'hui 17 novembre 2018 et mercredi. Voilà, depuis chez moi à Lyon, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous fortifier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. On aura l'occasion d'échanger sur beaucoup de choses. On vous dit tout va bien. Voilà, commencez à partager la vidéo parce que j'ai une information détail tout de suite. Voilà, le temps de prendre des remontants. Trois jours dans la semaine, je crois quatre jours de repos. J'ai quatre jours de repos dans la semaine. Je me repose mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, donc je prends ce temps-là, n'est-ce pas, pour m'occuper de moi, d'abord de mon épouse, de notre maison. Voilà. La formation et tout ça, prier pour nous-mêmes, tout ça c'est important. On aura l'occasion de voir beaucoup de choses tout de suite parce que c'est très important. Ce que je vais vous partager est très très important. Commencez à partager la vidéo. C'est beaucoup très important ce que vous allez avoir comme information.
Voilà, shalom. Shalom à ceux qui nous aiment, shalom à ceux qui nous attaquent, shalom à ceux qui n'aiment pas nos têtes. On ne peut pas être aimé de tout le monde, ce n'est pas possible. Voilà. Mais shalom à tout le monde. Nous, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous ne cesserons de prier pour vous. Voilà. Voilà, nous continuerons toujours de prier pour vous. Nous continuerons toujours de vous aimer. Voilà. Et de prier pour vous. De vous soutenir dans les moments difficiles, si vous voulez. Nous continuons toujours. Notre ministère consiste, n'est-ce pas, à la destruction des valements et à la destruction des œuvres des ténèbres. Voilà. Partagez la vidéo. Le temps que je cherche encore, n'est-ce pas, partagez la vidéo parce que j'ai une information de taille tout de suite. Voilà, information de taille. Je demande aux hommes de faire maintenant la cuisine de leurs femmes. Faites la cuisine à vos femmes préparées. Voilà. Maintenant, tous les jeudis, on a innovation sur Facebook. Tous les jeudis, il y aura Masterchef. Voilà. Donc, demain, jeudi, je lance la chose. Demain, jeudi, je vais commencer à lancer la chose. Et chaque homme doit faire la cuisine pour sa femme. Les Denis Champion, Aïdara, tout ce que vous connaissez, les Ben, tout le monde, pas les femmes, les hommes. Maintenant, rentrez dans la cuisine et allez faire la cuisine de votre femme. Et ça, c'est très important. La famille d'abord, le foyer d'abord. Et ça, c'est beaucoup très important. Les hommes doivent rentrer dans la cuisine, faire manger à leur épouse. Voilà. Et ça, c'est beaucoup très important. Nous allons lancer. Ouais, shalom, ma fille. Shalom à toi, ma fille Viviane Tré. Donc, demain, nous allons lancer la chose, Masterchef. Chacun va préparer. Voilà. Et moi, je vais commencer demain. Ça, c'est vers 20h. Hein. 20h, je crois. Oui, 20h d'ici. Une sauce. Je vous dirai une sauce. Voilà. Et puis, on aura l'occasion d'avancer avec les messages. Voilà. Mais en même temps, c'est pour initier quelque chose, amener nos hommes. Elle n'est pas seulement regarder les femmes en train de faire la cuisine. Voilà, les femmes sont des princesses. Les femmes sont vraiment... Moi, Dieu m'a donné une bonne femme. Franchement, je bénis Dieu pour ça. Ça, sauf cela, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Gloire à Dieu pour ça. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc demain, nous allons initier la chose. Demain, nous allons commencer déjà pour... Demain, les gens pensent que le prophète Krasso, c'est sûrement les démons qui s'est chassé, ou bien que il sait chanter, parce que je suis chanteur aussi. Je suis chanteur. On pense que c'est un peu tout ça, mais non. J'ai beaucoup de choses. Hein? À pas chanter. À pas chasser les démons, il y a aussi savoir faire la cuisine. Voilà, partager la vidéo et comme ça nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Si tu n'es pas amoureux, tu vas te marier comment? C'est quand on est amoureux, on ne peut pas marier une femme qu'on n'aime pas, c'est pas possible. C'est quand on est amoureux qu'on épouse. Allez, je cherche ma page Facebook. Voilà, shalom, shalom. C'est quand on est amoureux qu'on se marie. On ne se marie pas pour s'amuser. Donc je suis très amoureux de ma femme, je l'aime. Voilà. Je vous informe, vous allez prendre la vidéo sur le YouTube que je suis sur ma page Facebook. Prophète Joël Krasso Ministère. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà, je suis chez moi. Pendant mes temps libres, en train de s'occuper de ma maison et de ma petite famille. Ça, c'est beaucoup très important. J'accorde aussi du temps à mon épouse. Parce que ça, c'est important aussi. Après l'église, on pense que non, l'église. Mais l'église, là, c'est à la maison aussi. Hein. Vous allez bien comprendre. Quand on parle d'église, là, quand on parle de
c'est aussi la maison. Hein? Il y a une certaine réalité qu'il ne faut pas oublier. Après avoir prié à l'église, tu as une femme, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de ta femme. Il faut avoir du temps pour échanger avec ta femme. Il faut avoir du temps pour elle. Et ça, il faut accorder ce temps-là. Quand on n'a pas du temps pour son conjoint ou sa conjointe, il peut avoir problème demain dans le foyer. J'ai toujours dit, le jour où je vais me marier, je prenais du temps et je vais accorder beaucoup de temps à ma femme. Je prierai pour qu'elle soit heureuse. Et ça, c'est ma bataille. C'est pour moi rendre ma femme heureuse. Et c'est ça. Toi, la femme, il faut rendre ton mari heureux. Il faut te battre pour ça. Il ne faut pas se réveiller le matin, il va commencer à avoir gourmet, il va tomber. Il va voir, il va faire AVC. Hein, nia. Il fait AVC, ça c'est un problème. Il ne faut pas aussi, ta femme aussi va faire aussi AVC. Elle va avoir gourmet, elle va aller mettre plein de sel dans ta sauce grecque. Ou bien dans ta sauce jumelée. Ou bien la sauce arachide. Bon, ça dépend de la sauce que vous mangez. Hein. Voilà. Il faut accorder du temps. Il faut discuter. Il faut parler avec la femme. Échanger. Et ça, c'est beaucoup très important. Échanger. Nous sommes des êtres humains. Dans un foyer, il y a la communication. N'est-ce pas? Il y a la communication. Mais encore, on est serviteur de Dieu. C'est vrai, on pense le temps en temps de parler avec les gens, on communique avec les gens, on prend le temps de tous. Mais il faut accorder le temps aussi à l'être cher. J'étais à Paris, bon, comme c'est là où nous travaillons d'ailleurs, dans l'église, et mon épouse me disait, j'en parlais, vous savez, je suis un expert en manger de riz couché sur grec. Ouais, voilà, c'est comme ça. Chacun sait ce qu'il mange, qui lui donne assez de force. Quand on finit de manger, recoucher la sauce graine, on va faire les délivrances et les aveux des gens. Et donc, j'ai parlé avec le président Sekou. Et comme lui et moi, on est les deux doyens de sauce graine et recoucher, c'est rentré dans les oreilles de mon épouse, Maman Bessora. Et puis, Maman Bessora, avait des bonnes nouvelles. Du coup, elle me dit, elle veut manger sauce graine. J'ai dit, mais attends. Et qu'elle va faire, aussi... Ricoucher ça. J'ai dit, ah, c'est devenu un voûtement ou bien. Hmm? Non, j'ai dit, ok, je n'ai rien dit. J'ai dit, mais c'est devenu un voûtement. On a parlé de ricoucher, toi, sograine, toi, tu es rentré dans ta tête. Et donc, hier, après les courses, j'ai dit, mais reste tranquille, je vais faire la vaisselle, je veux, tu fais la sauce. Ben, elle sait bien que je prépare. Elle le sait très bien. Et donc, j'ai commencé à préparer. Bon, la femme, elle aimerait que ça soit bien. Donc, son mari lui reste tranquille. Je suis en train de parler un peu de toi. Là. J'ai dit, reste tranquille. Je vais te faire la sauce. La gloire, la sauce graine. La gloire. Reste tranquille. Tu es une gloire. La femme est une gloire. Reste tranquille. Je te fais une sauce à la gloire. Elle dit, mais non, la sauce graine, il y a des odeurs. J'ai dit, bon, tu sais, nous, on a des petites spécialités. Donc, j'ai pris aubergine. Elle ne savait pas, c'est des petites techniques. J'ai pris l'aubergine, elle dit, mais comment tu sais que c'est sauce claire ou bien? C'est quelle aubergine on met dans sauce graine? Je lui ai dit, bon, laisse chacun, c'est ce qu'il peut faire pour rendre la sauce bonne. Laisse-moi, regarde-moi, nia, regarde-moi. Elle aussi, elle aime bien travailler. J'ai dit, aujourd'hui, assieds-toi. Laisse-moi travailler. Ah, bien. Je t'aime tellement que, reste tranquille. Aujourd'hui, c'est ton jour. Comme d'habitude, je lui accorde beaucoup de temps. Et j'ai commencé. Fais la sauce. Fais la sauce. Fais la sauce. Vers la fin, elle m'a dit, la sauce là. J'ai dit, mais la sauce là. C'est comme ça. Et j'ai fait à manger à mon épouse. Voilà, très bien. Et bien, la sauce là. J'ai dit, reste tranquille, c'est la fin qui compte. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas quand on commence là qui est plus important, c'est quand on finit. C'est pour ça que la Bible dit, la fin d'une chose, vous voyez comment. J'ouvre la boîte, on voit ça en bizarre. Mais quand il a fini la sauce, viens. Comment tu as trouvé la sauce d'hier? Comment tu as trouvé la sauce d'hier? Très, très, très bonne. Franchement, j'étais étonnée.
Étonné. Bah oui, parce que je préfère cette sauce plus que la sauce jasmanienne. Jasmanienne. Oui. J'ai bien aimé. Et là, je vais manger tout à l'heure. Je n'ai pas encore mangé mon riz couché. Là, tout à l'heure, parce que nous, la nuit, on prie. Donc, elle dit tout à l'heure. Elle va le manger. Le riz couché tout à l'heure. Le riz couché tout à l'heure. Mmh. Ouais. Franchement, super. Chapeau. Fais-moi un bisou, ça chasse mes migraines. Bon, je vous en prie, nous, on est à la maison. Vous n'avez rien vu. Mais c'est ma femme. Voilà, donc, elle a dit aujourd'hui, reste tranquille, je te fais ta sauce. Elle va faire la sauce. Donc, elle entend de... Tu as fait quelle sauce, là? Gombo, tout ça? Oui, on va dire gombo-sou parce qu'il y a un peu de gombo. Ah, gombo-sou. Oui. Le guagua et puis assou dedans. On se trouve... c'est chez vous, les amis, non? C'est chez nous, les amis, gombo-sou. Vous avez dit quoi? Gombo-sou. Vous allez, que Dieu nous veut dire, il faut remuer, que Dieu nous, 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 que Dieu nous. Voilà, donc, gombo-sou, c'est ça? On va se guaguatiliser tout à l'heure. On va se guaguatiliser. Hein? Mais le guagazou, il fait comment? Le guagazou. Bah oui, maman. Tu es ma maman et tu es mon papa et puis quoi encore? Mon bébé d'amour. Ah, tout ça, hein? Tout ça en même temps. Voilà, donc... voilà, donc comme je disais, c'est vraiment important d'accorder du temps, et du temps, et du temps, et du temps, du temps. Du temps pour son épouse, du temps pour sa maison, du temps, et ça c'est vraiment important. Si cette base-là, elle est ratée, votre vie de couple est ratée. Donc il faut accorder du temps. Encore, il faut communiquer, il faut prendre du temps pour parler, il faut prendre du temps pour être sincère, il faut prendre du temps pour revenir sur certains points, il faut prendre du temps pour aller sur certaines bases, il faut prendre... Le tikliti. On dit le tikliti. On va commander le tikliti très bientôt. Et le tikliti. On dit et le tikliti. On peut prendre l'épinard, on peut mettre ça un peu, faire le tikliti. Bon, la semaine prochaine, on vous promet une sauce tikliti. La semaine prochaine, je vous ferai une sauce tikliti. Il me semble que c'est à Château Rouge. Il y a un pélagique qui m'avait dit ça la vieille, mais je ne croyais pas. Mais j'ai dit, mais mon tikliti là, on dit tout est à Château Rouge. Ok. Donc, la semaine prochaine, on vous promet ça. Voilà. Merci, on dit vous êtes un grand chef. Je vous informe aujourd'hui aux gens qui vont retrouver la vidéo sur le YouTube. Je suis sur ma page Facebook. On dit vous êtes un grand chef. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous trouvez l'amour, une femme. Vous savez, c'est la femme qui fait l'homme. Oh, Nia, Monique, viens manger. Billy, merci de me... Voilà, mets ça. Voilà. Bon, ça, je vous en prie aujourd'hui. Il faut que je vous montre. Voici ce que ma femme a fait. On appelle ça guaguasou. 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 Elle a dit, bon, hier, tu as préparé ta sauce à la gloire. Moi, je vais faire ton guaguasou. Cette femme-là, elle est trop prête pour moi. Je dors comme ça. Puis elle me dit, dors comme on a prié la nuit. Laisse-moi aller faire ton guaguasou. Je dis, Dieu merci. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et ça, c'est pas faux. Celui qui a trouvé une femme, pour moi, c'est une bénédiction. Voilà. Les femmes, quand vous êtes dans les difficultés, puis elles fuient, elles bourrillent. C'est baillé fouet. C'est ce qu'on dit chez vous, non? C'est ça. Baillé et puis à fouet. Nia, mon gratin comme au village. Oui, mais je suis en train de servir. Comme au village. Mon gratin, n'oublie pas. Mais le blanc est plus beaucoup que le gratin. Chérie, je suis en train d'enlever le blanc ici. Ok, chérie. Enlève le blanc, mais il faut gratter crou, 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 crou. Quand le gratin rentre dans mes oreilles, ça veut dire que je dois bien manger le gratin. Voilà, donc quand vous trouvez une bonne femme, c'est une bénédiction. C'est la femme qui fait l'homme, hein? C'est la femme qui fait l'homme. Un homme n'a qu'à être comment. Il tombe sur une femme, elle va le transformer. Ça, il n'y a rien à faire. La femme, c'est l'être. J'ai béni Dieu d'avoir créé les femmes. Surtout quand tu tombes sur la femme de ta vie, tu es heureux.
Tu es heureux même dans les épreuves, tu es heureux. Une femme qui t'aide à traverser les épreuves. Voilà, c'est cette partie-là qui me plaît. Nia, crou, 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 c'est bon. C'est bon, c'est fini. Ah, Nia, merci. Vous savez, chez nous, quand une femme prépare, et puis elle est en train de gratter, elle est en train de faire crou, 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 et puis elle merci ton riz. Tu as fait quoi dehors? Tu ne peux plus aller à 100 lois pour manger. 100 lois est vaincu. On appelle ça 100 lois. Vous partez à Gagnoua, pour ceux qui connaissent bien Gagnoua, j'ai un coin qu'on appelle 100 lois. Ça dit là-bas, il n'y a pas de loi. Quand on fait crou, 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 c'est ce qui est bon. Oh, mais franchement, si Dieu ne t'avait pas créé, moi je t'ai fabriqué. Amen. Et, tu m'amuses pas? Si le Seigneur Dieu, tu n'avais pas crié, j'allais passer la commande. Il allait te faire venir. Viens te faire mon bisou. Voici celle que j'aime de tout mon cœur. Et celle que les os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Celle-là. Je ne sais pas, j'ai béni Dieu de t'avoir envoyé dans ma vie. Si Dieu ne t'avait pas fabriqué, j'allais moi-même te fabriquer, j'allais même passer la commande. Pour dire, Seigneur, donne-moi Djoro. Amène-moi ce qu'on appelle Djoro. Pour vous dire, la bonne femme, celle qui fait l'homme. La bonne femme, celle qui fait l'homme. Sans la bonne femme, l'homme n'est rien. Et une femme dans la vie d'un homme, la femme est un pilier pour l'homme. La femme est un pilier pour l'homme. Nous, on est orgueilleux, nous les hommes sommes orgueilleux, n'importe quoi, excusez-moi. Mais c'est la femme qui fait l'homme. C'est pour ça qu'un homme, il doit respecter sa femme. C'est vrai qu'on a des qualités, on a des défauts. Viens, donne-moi. C'est le fond, là. Le fond, c'est ça même qui guérit. Ouais. Je suis fortifiant parce qu'on chasse trop les démons en semaine. Vous voyez comment elle prend soin de moi. Les gars, ils veulent se marier. Non, j'ai toujours dit le caractère et l'âme de la femme, l'esprit de la femme, c'est ce qui l'envoie dans un foyer. Le mauvais caractère, c'est ce qui fait fuir. Les gens, ils sont là, ils se maquillent, ils sont faits. Mais tu n'es pas une bonne femme, tu ne peux pas avoir un bon mari. Souvent, les gens pensent que c'est sirène des eaux, hein, c'est mari de nuit, la nuit, je suis marié ou le sorcier. Guédé, Bappé, Zadi, m'attaquer la nuit, il est venu briser mon mariage. Mais toi-même, ton comportement là, ça peut te chasser dans un foyer. Le comportement que tu as là, ça peut te chasser d'un foyer. Souvent, je suis là, des moments difficiles, en temps de réfléchir, elle me mettrait, elle dit, mais tu penses à quoi là? Je dis, non, je suis en esprit de prière, elle dit, non, je sais que tu entends penser. Viens, attrapons-nous les mains, et puis on prie. Elle dit, tu sais, je crois en toi et puis Dieu est avec toi. Prions le Seigneur. Et on prie le Seigneur. C'est ça une bonne femme. C'est ça une bonne femme. Si tu as une femme de vision, tu iras très loin. Voilà. Une femme qui est capable de te soutenir dans les moments les plus difficiles, tu iras très loin. Et ça, c'est beaucoup très important. Il faut savoir avec qui tu marches. Parce que la plupart du temps, c'est celui qui est juste à côté de nous, on a l'impression. Mais c'est celui-là. Les choses n'ont pas changé. Dans le ciel, il y avait Satan, vous voyez, Belzébul. Satan qu'on appelle Lucifer. Il s'appelait Lucifer en bas dans le ciel. Lucifer. C'est celui qui a fait le coup d'état. Il vivait avec Dieu. Donc, les choses sont répétées encore sur cette terre. Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Voilà. Donc, il faut faire attention à ceux qui sont juste à côté. Quand tu vas à la boutique Lacoste, tu tiens bien Lacoste, le nom. Mais c'est toi qui décides le t-shirt que tu dois acheter. Parce que tu regardes, on ne t'a pas envoûté. Les gens, ils aiment bien regarder les choses. Mais dans un esprit de prière, Dieu peut vous donner une femme ou l'homme de votre vie. Vous faites des rencontres. Soit que quand des gens quittent de vos vies, ça ne veut pas dire que c'est une malédiction. Mais ça peut être un exaucement de Dieu.
Parce qu'il y a estimé quelqu'un, puis il y a aimé quelqu'un. Il y a des gens qui vous estiment parce que vous avez l'argent, ou bien parce que le gars est un beau tête, ou bien parce qu'il est beau, ou bien parce qu'elle est belle, ou bien parce qu'il parle bien, ou bien parce qu'il est mignon. Ça ne veut rien dire. Mais une personne qui a de l'amour pour vous, au-delà de la parure extérieure, c'est-à-dire tout ce qu'elle voit, le design, cette personne, n'est-ce pas, elle est prête à vous aider. C'est-à-dire, même quand elle découvre, n'est-ce pas, elle voit les qualités, les défauts, elle dit, je vais l'aider jusqu'au bout. C'est pour ça, les femmes qui aimaient Jésus, bien que Jésus soit mort, ces femmes-là, elles sont allées jusqu'au tombeau de Jésus, elles croyaient, celui qui a... Vous avez une personne qui vous aide, elle croit en vous, bêtement. Et encore, elle est prête à vous aider. C'est-à-dire à vous aider à atteindre vos objectifs. Or, il y a des gens, c'est quand il y a le malheur qui vous fuit, il vous laisse. Il vous enfonce même. Et cette personne vous montre qu'elle vous a jamais aimé. Elle vient même vous détruire. Elle vient vous enfoncer dans le problème. Elle vient vous détruire. Or, une personne qui vous a aimé, elle sera toujours là dans le secret pour dire, Seigneur, aide-le. Aide-le. Elle traversera les moments avec vous. Les gens qui vous aiment traverseront les moments difficiles avec vous. J'ai toujours dit, si Dieu veut vous élever, les puissantes nations sur cette terre, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit les pays ici en Europe, d'ailleurs, ils ont fait un monument, non, à la mémoire de nos tirailleurs. Ils ont parlé de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ils parlent de la France. Ils ont connu des guerres. Vous savez, quand Dieu va vouloir t'élever, il va vouloir te faire rencontrer, n'est-ce pas, des difficultés les plus terribles de ta vie. Les difficultés les plus terribles de ta vie, n'est-ce pas, pour t'amener à une position. Mais ça ne serait pas une chose aisée, hein. Elle serait difficile. Mais c'est dans les difficultés, parce que tu vas voir, n'est-ce pas, l'harcèlement, les attaques, toutes sortes d'injures, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de choses. Mais un grand homme, c'est celui-là qui sait garder le silence, qui sait compter sur Dieu et qui laisse Dieu faire les choses. Je prends les nations. Quand je prends l'Allemagne, l'Allemagne a été bombardée. Beaucoup de pays européens ont été bombardés. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez rien avec l'Allemagne. Tous les pays du moins qu'on connaît la plus grande guerre sont aujourd'hui les plus puissants pays au monde. Si tu n'as pas été remué, secoué par un événement. D'ailleurs, quand un événement vient dans ta vie, quand un événement surgit dans ta vie, quand une attaque vient dans ta vie, elle est salutaire. Elle est salutaire. C'est-à-dire, cet événement-là, l'événement-là vient dans ta vie, un, pour t'apprendre beaucoup de choses, pour t'ouvrir les yeux, pour t'amener à aller très loin. C'est cela que par moment, il faut accepter. Jésus dit, si cette coupe pouvait se loin de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a accepté la volonté de Dieu, de traverser. Il a même dit aux anges, vous pensez que je ne peux pas moi-même me défendre? Si, je peux me défendre. Appelez les anges, mais je laisse faire la volonté de Dieu. Et en cette période-là, les gens pensent que le monsieur, c'est là où vous allez comprendre que quand un vent souffle, le vent là, le palmier, les feuilles mortes, ça les détruit. Et les feuilles qui doivent résister restent. C'est là les mauvaises personnes quittent vos vies. Les gens qui n'étaient pas là pour rester partent de votre vie. Les gens toujours qui ont eu confiance en vous vont rester. Ces personnes-là resteront. Elles resteront dans votre vie. Les gens qui étaient au bout du lèvre aimés là vont partir parce qu'ils étaient là pour quelque chose. Mais les personnes qui vous ont vraiment porté dans le cœur vont traverser les moments difficiles avec vous. Dans la vie d'un homme, comme David a dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, vous traverserez les moments difficiles. L'épreuve nous amène au succès. Les difficultés nous amènent à aller très loin. C'est cela qu'il faut savoir avec qui tu vis. Et ça, c'est beaucoup très important. Quand Dieu vous donne une personne, une femme, que ce soit un homme, une femme, et que cette femme, vous la découvrez dans l'épreuve. L'homme, vous le découvrez. Les enfants spirituels, vous les découvrez dans le monde difficile. Mais encore, la vie est faite ainsi.
La vie était faite de combats. Après avoir résisté à des combats, vous allez forcément accéder à des grandes bénédictions. Je suis celui-là qui observe, qui regarde. J'ai foi en moi et je crois à ma destinée. Comme a fait Joseph, le jour où vous allez avoir une vision élevée par rapport aux hommes, ils chercheront à vous nuire, ils chercheront à vous détruire. À l'image, n'est-ce pas, de Joseph, qu'ils ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Dans le puits, ils l'ont jeté en Égypte, dans la maison d'oubli. Et c'est là que Dieu l'a élevé. Vous savez, ceux qui vous attaquent croient plus en vous. Ils croient plus à votre destinée. Ils croient plus en vous. Parce qu'ils savent qui vous êtes. D'avoir même une ne donne pas. Parce qu'ils sont toujours en train de regarder sur vos Facebook ce que vous faites, ce que vous mangez. Or, toi, tu ne les considères même pas. Ils sont pas. C'est-à-dire, ils paniquent du fait que vous êtes heureux, ça les énerve. Du fait que vous êtes en joie, ça les énerve. Comment vous tuez Jésus et vous allez aller garder le tombeau de Jésus? Vous l'avez tué, c'est fini. Vous avez tué quelqu'un. Ben, en temps normal, laissez-le. Ben, vous envoyez des soldats surveiller la tombe de Jésus. Ça veut dire quoi? En venant surveiller la tombe de Jésus, ça veut dire, ils croyaient eux-mêmes à la résurrection de Jésus. Ceux qui vous attaquent croient à votre destinée. C'est parce qu'ils croient à votre destinée qu'ils vous attaquent. Parce qu'ils savent qui vous êtes, qui vous attaquent. Encore, vous êtes plus important que eux. Sauf cela qu'ils vous attaquent. Sauf cela que par moment, ne vous rabaissez pas face à l'adversité, face à ceux qui vous attaquent. Ayez un esprit de grandeur, ayez un esprit très grand, ayez un esprit très puissant. Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Ils rencontrent ça et là, ils appellent ceci, cela. La même dame dont vous avez parlé tantôt, la même dame est venue vous dire, à visage découvert dans une vidéo, pour vous dire, vous mentez, ce monsieur-là, ça fait tant d'années que lui et moi, c'est fini. Le monsieur-là, et on en fait plusieurs vidéos, au-delà, moi je ne prends pas, je ne suis pas des gens à répondre des choses à la con. Quelle personne qu'on peut venir acheter pour dire, non, fais une vidéo, et puis une personne qui compte une autre personne, elle ne viendra jamais faire une vidéo pour démentir. Puisque vous pensez être avec cette personne, vous pensez que vous avez accès à cette personne, que cette personne me reproche des choses. Donc elle fera pas une vidéo à visage découvert pour venir, n'est-ce pas, démentir tout ça. Pour vous dire, le silence paye. Le silence paye. Moi, je savais que c'était assez faux. Tout ce que les gens rencontraient, tout ce que les gens disaient à mon sujet, c'était faux. Donc j'étais dans mon coin. Et je suis toujours dans mon coin. Parce que mon ministère, c'est pas d'aller répondre des choses à la con. Mon ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas venu faire des clashs, faire des démentis. Voilà. Les personnes concernées viendront démentir. Donc j'avance. Et cette même dame-là, ce n'est pas la seule vidéo, on en a fait beaucoup, mais je ne suis plus revenu sur ça. Parce que moi, je passe, j'avance. Mon problème, c'est que j'avance, je continue. Voilà, je continue. Voici les gens, ils disent que Trump est mauvais. Trump aujourd'hui, ils ont fait élection mi-mandat. Voici Trump. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? La communication des États-Unis, autant pour moi, ici, les gens ont sali l'image de ce Trump-là. Ils ont tout fait à la veille des élections. Ils vont envoyer des bombes, n'est-ce pas, des bombes, comment on appelle les républicains, chez les Obama, là. Tout, on a envoyé bombe à Obama, on a envoyé bombe à Hillary, on a envoyé bombe à qui? Des colis piégés. Des colis piégés. Le monsieur, il dit qu'il ne connaît pas dedans. Donc, tu vois, des colis piégés par ici, par là. N'est-ce pas pour salir l'image du monsieur à la veille des élections? Jean Trump, il est mauvais. Qu'est-ce que les médias ne disent pas? Aujourd'hui, il est passé aux mains. Ça veut dire s'il ne gagnait pas les élections. Voilà, s'il ne gagnait pas les élections, ça veut dire que c'était. Mais le monsieur, il est serein. Et ce Trump-là, il est serein. Donc, aujourd'hui, la communication, c'est l'arme que le diable utilise pour pouvoir nuire à la vie des gens. C'est pour ça qu'il faut être serein. Quand tu penses que tu es dans la vérité, tu ne paniques pas. Quand tu penses que tu es dans la vérité, tu ne te trompes pas. Mais l'événement arrive pour connaître beaucoup de choses, pour comprendre la grandeur d'esprit. Il faut être grand dans l'esprit. Il faut être grand dans l'esprit. Il faut être très grand dans l'esprit. Je suis très grand dans l'esprit. Je ne me laisse pas affecter par les n'importe quoi. Je suis très grand dans l'esprit. La vie des gens ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, mon combat avec les forces des ténèbres. Comment reçu mon ministère sur cette terre? Comment avancer? Il faut que j'arrive jusqu'au bout pour recevoir la couronne de vie. C'est ça qui est plus important pour moi. Comment faire pour être l'homme le plus, le mari le plus idéal, qui régit le cœur de sa femme, le meilleur serviteur de Dieu, que Jésus récompensera demain. C'est mon combat. Comment reçu ma mission? Comment aller, n'est-ce pas, organiser la fondation? Comment avancer? C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas pour répondre aux imbécilités. Moi, je ne réponds pas aux imbécilités. D'ailleurs, quand les gens vous attaquent, ils font de la publicité gratuite. Ils font de la publicité gratuite. Moi, j'avance. J'ai un esprit très grand. Je dors tranquillement. Voilà, parce que l'Éternel est avec moi. Et quand l'Éternel est avec vous, vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Voilà. C'est ça le plus important. Viens, ton plat là, je vais déplacer ça et puis après je vais manger. Il ne faut pas les gens regarder dans ma bouche. Non. Le plat, il est trop dangereux aujourd'hui. Tu as préparé, hein? Voilà, il faut fermer. Nien. Voilà. Ayez une bonne femme. Ce n'est pas les femmes qui vont venir vous séquestrer. Il y a des gens dans les problèmes. Non, moi, je veux me marier. Mais est-ce que tu es prête à affronter le foyer? Est-ce que tu es prêt à affronter le mariage? Mariage, là, il y a beaucoup de choses dedans. Elle-même, qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? On t'attaque au... Non, cette femme-là, viens te faire bisous. Elle est trop grande d'esprit. Tu es là? Ouais. Elle est trop grande d'esprit. Elle est là dans son coin, prie, déterminée dans la prière. Elle sait ce qu'elle veut. Elle ne répond pas aux gens. Elle dit non, il m'en fout de tout ça. C'est n'importe quoi. Regardez, je vous dis de le psaume 13. Vous qui traversez les moments difficiles, le psaume 13. Lisez le psaume 13. Tous les soirs avant de dormir. Mais de préférence, mercredi, jeudi, vendredi, nuit. Si vous avez une adversité terrible, le psaume 13 est trop bon. Restez calme dans vos secrets. Et l'arme la plus puissante de celui qui traverse les moments difficiles, c'est la prière. Gardez le silence et priez. Remettez votre sceau à Dieu. Moïse dit, l'Éternel combattra pour nous. Et vous gardez le silence. D'autres diront, non, assez Dieu avec lui. Mais c'est parce que Dieu est avec celui qui l'invoque. Dieu n'est pas en dehors de celui qui l'invoque. Il dit, invoque-moi, je te réponds. Il dit, dans ta détresse, invoque-moi, je te répondrai. Le psaume 13, il dit, jusqu'à quand l'Éternel restera sans cesse? Jusqu'à quand? Voilà, je lis. Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Ok. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à... Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mes ennemis, mon ennemi s'élèvera contre moi. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le verset 5. Afin que mes ennemis ne disent pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Le verset 6, moi, il dit, moi, j'ai confiance en ta beauté. Il dit, moi, j'ai confiance en ta beauté. Vous voyez, David, dans les moments les plus difficiles de sa vie, il reposait sa foi sur Dieu. David, vous voyez aujourd'hui, David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Mais c'est quelqu'un qui a traversé les moments les plus difficiles, douloureux de sa vie. Il a traversé les moments difficiles avec l'onction royale qu'il avait, les moments difficiles. Mais nous avons vu un moment donné, Dieu a mis en déroute. N'est-ce pas le plan ennemi? N'est-ce pas le Seigneur a détruit? Dans l'adversité, ne paniquez jamais. Ne vous mettez pas au même niveau que ceux qui vous attaquent. Parce qu'en réalité, ceux qui vous attaquent savent très bien que vous êtes mieux que eux. Vous êtes plus supérieur à eux. Alors ne vous rabaissez pas. Vous, restez dans la présence de Dieu. Il y a des moments où il ne faut pas répondre. Il y a des moments où il faut faire confiance et laisse Dieu agir. Et quand Dieu sera en train d'agir, il vous donnera, il vous justifiera devant tout le monde. Il agira d'une manière forte et puissante. Donc le psaume 13 que vous voyez, les moments difficiles, mettez ça comme ça et parlez. Priez.
Priez et comptez sur l'Éternel. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Je prie que la puissante main de Dieu soit sur vous. Qu'elle se manifeste dans votre vie. Il n'y a pas... Sur cette terre, vous allez traverser les moments difficiles. Vous allez traverser les moments difficiles. Mais laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu agir. C'est la fin qui compte. La fin qui compte. C'est la fin qui compte. Dieu vous donnera la victoire, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la durée du combat. David dit, c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Que le Dieu Elohim, que le Dieu Jéhovah Shabaoth vous donne la victoire sur vos ennemis, qui vous donne la victoire sur vos adversaires, qui vous repositionne, qui vous donne la victoire dans ce combat et que vos ennemis échouent et mordent la poussière. Que la puissante main de Dieu continue d'intervenir dans votre vie, qu'elle continue de vous protéger, que la main de Dieu guérisse vos familles, elle continue de vous rétablir, elle continue, n'est-ce pas, de confondre les ennemis. Dieu est Dieu. L'Éternel sera à vos côtés pour vous aider. Le recoucher les prêts. Voilà donc que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la main de Dieu chez vous. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la puissante main de Dieu chez vous. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la puissante main de Dieu chez vous. Recevez la gloire. Nous sommes en fin d'année. Et cette fin d'année, je crois très bien que Dieu t'aidera à traverser cette fin d'année. Et que Dieu te donne la victoire sur la sorcellerie. S'il y avait une programmation quelconque sur ta vie, de mort, de destruction, que cela soit annulé. S'il y avait la mort, que cela soit annulé. S'il y avait des œuvres mystiques contre ta vie, que cela soit annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui se sont ligués contre toi tombent sous ton pouvoir. Tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes soient détruites. Que cette maladie, n'est-ce pas que le diable t'a injecté. Que Dieu te guérisse maintenant. Dieu te guérit de ce mal. Tu reçois ton miracle. Tu reçois ton miracle. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que cette main puissante de Dieu te délivre de la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est un esprit. Que la main puissante de l'Éternel, le Dieu des armées, c'est cette main puissante de Dieu, n'est-ce pas, te libère de l'esprit de chômage. Parce que la Bible dit que c'est que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Que Dieu protège ta famille. Que l'Éternel protège ta famille. On écrit « Amen, je reçois », ça c'est important. Voilà, si tu crois à ça, dis « Amen, je reçois », parce qu'on ne refuse pas la bénédiction. Tu dis « Amen, je reçois ». Recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la main de Dieu, recevez la puissante main de Dieu chez vous, recevez la gloire de Dieu. Que la main de Dieu vous visite, que cette main de Dieu vous soutienne maintenant, que cette main de Dieu vous visite, que cette main de Dieu vous bénisse encore et encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as allumé le feu? Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissante main de Dieu. Allume le feu. Laisse-moi faire la sauce. Laisse-moi faire. Allume le feu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la gloire de Dieu. Viens. Tu as mis le feu? Tu as monté le feu? Je baisse parce que ça va brûler. Oui, non. Baisse un peu. Juste un peu. Allume tout de suite. Puis je viens. Et puis il y a la même la casserole. Bon, allume et puis laisse la casserole. Voilà. Voilà donc que Dieu bénisse. Je vais vous montrer comment faire. Je vais chauffer. Nien. Prends ça et puis accompagne-moi. Je vais montrer aux gens comment on fait la sauce graine. D'accord? Puis toucher. Comme ça. Voilà donc elle voulait manger du riz couché. Allume ton feu. Là. Ben, non, tu as fait une erreur. Tu as mis du riz dans la sauce. Et c'est pas bon. C'est pas comme ça. Ah oui? Oui, mais ça fait rien. Voilà, donc, voici comment on fait maintenant. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Merci mon bébé. J'en suis. Si tu veux, je monte chez le Seigneur pour... Si tu veux, je monte chez le Seigneur.
Dis dans le ciel là-bas, Maria. Eh Dieu, pourquoi ça? Tu sais, dans le ciel. C'est là que ta porte m'a oublié d'entrer dans la même maison. Ensemble. Bon. Ça suit le riz. Voilà, le riz. Mia, tu mets le riz comme ça. Pas trop. Voilà, donc tu mets le riz. Quand tu vas mettre le riz comme ça, là-dessus. Voilà. Ça va. Tu viens très arrive là pour manger ton riz couché. Ça va. Qui veut venir ici? Tu viens très. Je veux venir manger. Que fais-tu? Voilà. Comme ça. Je prends soin de ma femme. Je veux couvrir. Je prends une chose là. Là. Je veux couvrir. Il est devant toi, là, à côté de la casserole. Ouais. Voilà, donc, je suis en train de... Parce qu'on a mangé la sauce claire, graine hier. Voilà, elle voulait que je fasse un peu le truc... Le riz couché. Vous allez me dire à 15h, riz couché, mais on a prié toute la nuit. On prie les nuits, on parle de beaucoup de notre avenir, de ministère, de d'enfants spirituels. On prie pour les enfants spirituels, on prie telle personne de Marseille, telle personne d'Italie, des États-Unis, telle personne de Londres, de Costa Rica. On a tous les enfants, on prie pour eux. Voilà, donc on a tout ça, l'aurore, on prie tout ça. Et comme c'est le temps de repos, on a le temps de se reposer. Et puis, également, on parle... Du ministère, de notre avenir et tout ça. Voilà, donc, puis je bénéficie aussi de ses conseils, aussi je bénéficie de ses conseils. Et puis, moi, je prie pour elle. Et ça, c'est beaucoup très important. On se dit des choses. Voilà, et ça, c'est beaucoup très important. Sur ce, on va vous laisser. Demain, 20h, je commence notre série MasterChef. Voilà, je vais... Celui qui vient en esprit, là. Celui qui vient en esprit, je l'attache. Un wagonien. Voilà. Donc, demain, on va commencer. Et puis, les données vont prendre aussi. Voilà, chacun d'entre nous montrera, mais préparez pour vos femmes, aimez vos femmes, prenez-les, apportez-les de l'assistance, c'est beaucoup très important. Donnez-leur les paracétamol, je t'aime chérie. Paracétamol le plus dangereux de la terre, c'est ça. Voilà, et donc que Dieu bénisse. Voilà, je vais vous laisser, parce qu'elle a préparé un bon repas, laissez-moi aller manger, je vais manger.